Bonjour à tous, je vais vous faire un petit résumé du conseil communal 26 mars 2019. Alors ce conseil communal a surtout été rempli par la désignation dans des ASBL ou dans des intercommunales par des conseillers. Le point intéressant, c'était la prolongation de la convention avec Mons 2015 pour la rénovation de la maison qui se trouve à droite de la maison Van Gogh. Comme autre point, c'est la modification à la rue des Bonniers du sens de circulation avant pour aller de la place de pâturage jusqu'à la rue de l'Église. Dans le futur, ça sera dans l'autre sens, on pourra remonter la rue des Bonniers. Donc faites attention les premiers jours. Ensuite, je vais proposer un point supplémentaire. C'était que Colfontaine soit une des communes les premières à se tourner vers la région wallonne pour bénéficier de l'application pour pouvoir signaler les dépôts d'immondices et les nids de poules via un smartphone, simplement en photographiant ce qu'on voyait. Automatiquement, l'application envoie le signalement à la commune et localise directement où se trouve le problème. Donc, j'avais proposé ça à la majorité socialiste qui l'a refusé, qui m'a indiqué que dans le futur, ils reviendraient peut-être avec la même proposition sous une autre forme. On verra ce qu'ils vont faire. Donc, ça laisse une toute petite lueur d'espoir pour qu'enfin ils fassent du positif. Donc voilà en résumé le conseil communal du mois de mars. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai été désigné parmi les représentants de la commune dans l'intercommunal IGA et IRSIA. C'est des mandats totalement gratuits. Et n'oubliez pas, je travaille pour vous, avec plaisir. À bientôt.